Salut à tous et à toutes, c'est PsychoLizette. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les amis, nous allons ouvrir quelques packs sur FIFA parce que nous avons les récompenses rivaux, c'est des packs intéressants en boutique, plus des défis qu'on a fait, donc pas mal de petites choses à ouvrir. En espérant avoir du lourd, si possible, c'est parti, let's go. Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie. Le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. En boutique, les amis, comme je vous l'avais annoncé, nous avons quelques petits packs. 82+, 83+, pack joueur hors prime, pack joueur hors 26, voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a aussi un pack à récupérer dans les objectif qui est plutôt intéressant. On espère que celui-ci va carrer un peu le truc. Pack 10 joueurs 83 plus à récupérer dans la saison au niveau 19. Donc du coup, bah on l'a récupéré. On va ouvrir tout ça. Et il y a aussi des packs en boutique. Je pense qu'on va ouvrir les packs à 600 et les packs à 50 000 aussi qui sont apparemment vendables. Ok, donc voilà, on va voir un peu ce que ça donne. En tout cas, on a fait un ou deux matchs là. Franchement, toujours compliqué. Hein. On a vraiment de la peine à avoir des bonnes sensations. Je pense qu'on va commencer la carrière très très vite d'ailleurs. Carrière entraîneur, je pense Servette pour essayer de les amener à gagner la Ligue des Champions. Et carrière joueur où là, on ira un peu partout où ça nous plaira, tout simplement, sans forcément d'objectif à terme, mais histoire juste d'avoir du fun. Allez, on est parti pour les packs, les gars. Donc c'est des packs non vendables, donc sur beaucoup de récup, je pense qu'il va y avoir avec des SBC, parce que bah il faut Ericsson, parce qu'il faut qu'on utilise les joueurs qu'on a en doublon pour faire des SBC. Alors est-ce qu'on fait Guimarães ou pas, c'est un peu la question qui se pose, parce que bah, clairement il a une belle carte, vu qu'ils ont gagné contre Paris, ça peut être intéressant, mais en même temps, est-ce que j'ai envie de le jouer? Pas forcément. Donc du coup, voilà, hein, toujours un petit peu le cul entre deux chaises, mais en tout cas on a les 78 plus qu'on aime bien, donc on va le faire. Et après le reste, on verra un peu ce que ça donne. Donc ces deux là, ça doit partir. Ensuite on enlève ça, on met ça, on met ça, et on met ça, on met ça, et là ça part, peu importe les joueurs, let's go. C'est bien sûr les récompenses rivaux, donc je suis en division 6, hein, les gars. Moi je monte gentiment. Du coup voilà, c'est deux packs ici, et deux 82 plus. Voilà, c'est deux packs ici. Ça c'est les récompenses rivaux, ce qu'on ouvrira peut-être un petit peu plus tard, pour vraiment les séparer des autres packs. Voir un peu si on a la chance dans nos récompenses rivaux ou pas. Bien évidemment, plus vous allez haut dans les récompenses, plus vous avez de la chance d'avoir des gros joueurs, bien évidemment. Mais voilà, nous on a ça. Gardien, c'est boosté, non, les gars? Je crois bien que c'est boosté là. Clermont Foot, et oui, petit joueur boosté, Dio, gardien de Ligue 1, ça fait plaisir dans un petit pack comme ça, 78+, bah tu vois la récupération qui fait du bien, let's go. C'est pas forcément ce qu'on cherche, mais on prend. Il y a la nouvelle équipe de la semaine, hein, bien sûr, avec des petits joueurs assez intéressants qui pourraient nous faire changer d'équipe éventuellement si on chatait dedans. Pack joueur élément 83+, les gars, pourquoi pas. DC brésilien de la Juve Bremer, du coup, j'imagine, sauf erreur de ma part. C'est ça. Plutôt intéressant aussi sa carte à Bremer, hein, très clairement. Alors, du coup, là, on arrive sur les récompenses Rivals. Donc ça, c'est les packs qui m'ont été donnés pour les 7 victoires, ou 6, ou 8, je sais plus. Bref, 82+. Donc j'ai pris non vendable. Vous pouvez prendre vendable, etc. Mais vous avez moins de packs, hein, évidemment. Milieu gauche anglais, Manchester, bah ce sera la fille, et non pas Rashford, malheureusement. Oui. Parce que pas de... Voilà, on le sait, hein, c'est Galton. Ce sera jamais... en tout cas, pas pour l'instant. Ce sera pas Rashford. Et Galton qu'on peut vendre, donc nickel. Même pack, 82+. Pourquoi pas. Français, oui. AD, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bah parce que non, bien évidemment. Baltimore, super. Allez, 6 rares ici et 7 rares là. J'aime bien, pourquoi pas ces petits packs, hein. Ça peut donner un truc, on sait pas. Anglais, attaquant droit. Arsenal, Saka. Il est animé, non, Saka? Ça reste animé. 87, mid. Palinha, ok. Ah merde, mid non vendable. Ça, c'est un peu con, ça. Il y a Banini qui peut être assez intéressante en vrai. Double 4 pour une milieu centre qui a un petit peu les statistiques aussi de défense. Ça peut être assez intéressant. Mais ouais, vas-y, je pense que ça va être elle, les gars. Ça va être elle. Je sais pas si on va en faire quelque chose, mais en tout cas, au moins, je vais pas mettre ma stune à l'intérieur pour rien. Ben écoute, on va valider ça. Hein. Et j'enlève un 84 et je mets un 86. Vas-y, on fait comme ça. Hop là, ok, bon bah les gars, c'est récupéré, le petit SBC qui passe, on récupère la joueuse de la Liga féminine qui joue à l'Atletico, qui est assez intéressante pour une milieu centre qui a vraiment toutes les statistiques qu'il faut pour jouer à ce poste là, peut-être un peu offensif, donc du coup le deuxième faudra qu'il soit un peu plus défensif qu'elle, j'imagine. 1m63, donc elle doit être assez vive aussi dans le jeu très clairement, et ça va nous permettre et ben du coup de pouvoir peut-être partir sur cette équipe avec les joueuses du FC Barcelone qui nous fait un peu de l'œil.
l'œil par la suite, bien évidemment, parce que là, elles sont très chères. De toute façon, il fallait qu'on balance des joueurs, donc on a balancé les joueurs. Allez, et puis on a récupéré un petit pack, donc deux petits packs. Donc allez, bah let's go. Puis c'est vendable, donc on sait jamais. Tout le moment, on se fait rembourser. Italie, défenseur central, Inter, 2000 ans. Petit Acerbi. Argentin, c'est boosté, je crois, les gars. Bon, ça va pas être fou, mais c'est boosté. Ah non, pardon, c'est la Liga. Ça va me troll. Alors, là, c'est apparemment les plus gros. Hein. Deux éléments bonus, un ange de 26 ans, des joueurs, des consommables, 7 rares. Pourquoi pas, les gars? Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Allemand, MC, OL. Ah, c'est une famille, du coup. Oui. Dabritz, sacré stat aussi pour Dabritz, hein, pour un début de jeu. Oh putain, ah oui, un des gros doubles là, attendez voir, gros double ici, des 84 et tout. Bon bah Coquelin, on va être obligé. Hein. J'ai tout mis là ce que je devais, ouais celui-là, ok c'est bon. Donc ça c'est bon, ah bah c'est le pack qu'on a récupéré là, vendable. Français, DC, OL, hein, un renard. Ah, animé frérot. Wendy Renard vendable. Pas mal, hein? Pas jouable, hein, on l'a testé. Malheureusement, c'est dégoûtant. À vendre, c'est cool. Hop là. Allez, 10 joueurs hors 83+. Là, si on chatte, c'est beau. Allez. Oh, c'est même pas animé, je crois, les gars. Putain, c'est dur. C'est dur. MDC prend. Ah, bah, Tchouaméni ou Camavinga? Tchouaméni, ouais, c'est pas animé. Putain, c'est vraiment de la merde, hein. On va pas faire semblant, hein. C'est claté au sol là. Hein. Du coup, on a Jorginho et Shaw. Et là, on va finir l'autre quand même. Vas-y, Coquelin, du coup, hein, parce que ben, au pire, on a un autre français aussi au milieu centre. Donc, c'est parti. Hein. Allez, ça récupère. Hein. Du coup, bah, tu vois, on a récupéré deux joueurs avec les SBC au final. Coquelin, du coup, je sais pas ce qu'ils ont fait leur premier match. J'ai pas fait gaffe à Villarreal. Et derrière, les potes, on va ouvrir un peu la boutique. Donc, ce sera que du vendable. Donc, il y aura plus de SBC, c'est cool. On va ouvrir les packs à 600 et les packs à 1000, hein, clairement. On espère packer un petit truc sympa. Vendable, en plus, ce serait largement fou. Bayer Leverkusen, MDC allemand, ça peut être cool, en vrai. Non, c'est pas fou, Andrich. Hein, c'est animé, je crois. Espagnol, MDC. Oui, Rodri. Bien. Cette animation ici, magnifique. 89 de général, les gars. C'est beau. Rodri et Müller à l'intérieur, très sympa. Ça vaut pas grand-chose, hein, bien évidemment, mais ça renfloue un peu les caisses. Et on prend. Mais oui, après, quand t'as beaucoup de joueurs, au bout d'un moment, bah, bien évidemment, ton club commence à être un petit peu compliqué. Oh, les gars, c'est vert. C'est Dzeko. C'est Dzeko, les gars, magnifique, putain. 88 de général Dzeko, carte animée, c'est beau. Let's go. Akanji aussi magnifique. Est-ce qu'on garde Dzeko en vrai? Il y a même pas le truc de tête, dommage. On va peut-être le garder, peut-être ça montrera un petit peu s'il prend up, tu vois ce que je veux dire? Bon, on n'a pas encore packé d'icônes et tout, mais ça ne saurait tarder. Un jour, on va en packer une, hein, moi je vous le dis. Mais là, le pack opening se passe bien quand même. Hein. Un jour de l'événement, une grosse animation, franchement, on n'est pas à plaindre. Hein. Assez brésilien. Alali. Roberto Firmino. Est-ce qu'à tout moment il a une petite valeur marchande parce que c'est Firmino, non? En fait, on peut tèche tout ça, hein, les gars. En vrai. Français. MDC. Bah, j'ai déjà eu avant. Chamini. Bah ouais. On a déjà eu avant, monsieur. Mais vendable cette fois, donc on prend. Doku aussi. Doku, à tout moment il est cher. Non, ça va? Ok. Doku, pas trop cher. Allez, dernier pack ici à ce prix-là. Espagne. Buteur. Betis. Poria Iglesias. Non merci. Non merci, non merci. 1000 points. Il y en a 3. C'est vendable, donc c'est intéressant. 83 minimum. Pas qu'à 50 000 quoi. Vas-y, on fait cela d'abord. Vas-y, je sais pas. Vas-y, j'ai envie de faire cela. À tout moment, l'icône, elle est là-dedans. On les garde pour un petit peu plus tard. Manchester United gardien. Onana. Herbs. Putain, c'était animé, j'avais même pas vu. Ok. Et meilleur que Onana, hein. Bah ouais, hein, clairement. Hein. Petit 12. Et ça se liste, ça, moi je te le dis. Hein. J'ai peur du fait qu'éventuellement, le fait qu'elle soit petite fasse qu'il y ait quand même des lacunes. Je sais pas trop. J'ai pas forcément beaucoup essayé les femmes au goal. En vrai. Arnold. On va arrêter de skip parce qu'en fait, je sais même pas quoi j'ai des animations. Je fais... Alors que je sais le truc, mais je me fais avoir. Brazy. MG. Porto. Pepe. Même si c'est pas que là, quand même bien moins chanceux, mais il en suffit d'un, les gars. Ça pue l'icône. Ouais, les gars, je crois que. Oh putain, chaque fois que je skip, j'ai un truc. Mais je vais skipper tous mes packs, moi. Je garde les boosts parce qu'on sait que plus tard dans l'année, ça va valoir plus cher. Donc je les garde tous.
J'ai cru que c'était animé, mais en fait pas du tout, c'est impossible que ce soit animé avec ce drapeau là, non? On est bien d'accord, ouais. Italie, gardien. Provdel, ok, enchanté. À un moment ça va tomber, hein, mais quand? Ça c'est la question. Dernier pack ici de ce style là. MOC American, The Washington Spirit Feminine. Sanchez, j'adore. Les packs à 50 000, 1000 points FIFA à chaque pack, let's go. Allez, filez-nous un truc lourd là, français, oui. MD, pourquoi pas. Non. Los Eslo, Wilson, Dia, Malcolm, Joe, Félix, Zendouzi. Ouais, c'est pas terrible, terrible quoi. Hein. Allez, c'est parti. Deuxième pack à 50 000. Pays-Bas, Memphis. Ouais. Pas ouf. Un papa d'animation dans ces packs-là, là, vraiment? Carlos Soler, ouais, y'a rien de sexy ici, hein, malheureusement. Dernier pack, les gars, c'est ici, c'est maintenant. Malheureusement, on n'aura pas eu beaucoup de chance dans ces packs-là espagnols. Ouais, bon, bah, c'est mort, hein, clairement. On le sait. Ah bah, Bousquet, on voit encore pire qu'avant. Bon, bah, écoutez, les packs à 50 000, hein. Bon, on aura fait une ou deux animations, mais malheureusement, rien de bien fou, hein, on va pas se mentir. On n'est pas forcément super content de ce pack opening, hein. Pas ouf! On reviendra la prochaine fois.